bienvenue au stade Edmond Martens pour suivre avec nous le match de la mort, comme on dit souvent, le match du sommet à l'envers si vous voulez. Je veux parler du FC Bruxelles, 17e sur 18 au classement général, avec 7 points sur 36, qui reçoit ce soir Dender ou Dendre en français, dernier du classement avec 6 points sur 36. Voilà déjà une très bonne balle pour Gorius, est-ce que ça va être goal? Non! Oh l'arrêt de Lemens, c'est important de Flandre qui récupère le ballon. Un centre de Flandre, il est bien joué, deuxième poteau, ça va être goal? Non! Ah là 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 là, quel début de match en fanfare pour le Bruxelles, c'est Lemens qui détourne via le toit du but. Pour Boutoula, bien joué, qui remet sur Gorius tout de suite, c'est bien joué, il a un peu d'espace. Il est parti, Moukoulou, ça va être goal ça. Ouais, le blanc, le goal. Non, poteau. Oh là 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 là. Eh ben, le Bruxelles, ça n'a pas de chance. Mais, oh, oh. Il a eu très chaud. Eh ben, le Bruxelles, ça a du sang à l'heure. Hein. Mais dans l'axe défensif de Dender, il y a des errances. C'est moins qu'on puisse dire. Et voilà, c'est bien joué. Hein. Un bon appel de balle aussi. Pour Derek. Voilà. Le ballon, il va frapper. Ouais, bien joué de Cordier. Ah, bon shot là. C'est Drake qui a frappé ça, je crois. Ah, c'était puissant. Premier poteau, Mugnanesa, non. Ah, oh là, sur la ligne. Et c'est De Peter là qui a repris ce ballon. Et c'est sauvé sur la ligne par De Flandre, si j'ai bien vu. Ah, c'était dangereux. Et De Peter sur les montées. Sur ces montées, il est souvent dangereux. De Flandre, petit ballon vers Gorius, c'est bien joué. Gorius, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Deuxième poteau, c'est goal! Ouais, c'est goal! Et il a marqué contre son camp, Omouri, bien joué! Et ça, tout le mérite en revient à Gorius, qui a frappé vers le deuxième poteau. Vers Moukoulou. Et finalement, Omouri qui marque contre son camp. Et au meilleur moment, le Bruxelles se prend l'avantage. Alors que Johan Vermeer, je vous l'avais vu, il reste impassible. Pas de signe de joie. Boutoula. Le ballon revient vers Zola. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Oui, un deuxième poteau. Blanc goal. Ouais, 2-0, magnifique. On est content pour lui, c'est Aidok qui marque. Ah ben il y avait longtemps qu'il n'avait plus marqué, Aidok. Il est tout content. Il est tout content. Voilà un joueur heureux qui va embrasser son entraîneur et l'adjoint. Il tombe dans ses bras, ils sont heureux. Quel début de deuxième période réussi pour le Bruxelles. 2-0 et on le sentait que ce ballon qui traînait là dans le rectangle, Aidok allait arriver en boulet de canon. Et le ballon est bien repris. Ah et quel arrêt! Quel arrêt de Cordier! Ah ça, ça va le mettre en confiance. Attention à ce ballon, la reprise de la tête, cette transversale! C'est une transversale de Mugnanesa, je pense. Ah, c'était bien joué. Mais ils n'ont pas de chance non plus, les joueurs de Dender. Et voilà encore une bonne interception de Zola. Et c'est Lutula. Lutula, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'y aller tout seul. Non, il donne bien, ça va être goal, ça, ouais, c'est goal! Bien joué! Et c'est Gorius qui marque. Très bon but, ah ouais, et tout le mérite. Là revient Lutula, qui a cherché jusqu'au dernier moment le bon partenaire, et qui a bien remis vers Gorius, qui met de l'arrière. Voilà déjà deux buts qui sont confectionnés pratiquement de la même manière, avec des joueurs qui viennent de l'arrière, et qui parachèvent le travail de l'extérieur. Barbé, il y a un coup à jouer, il faut le faire vite. Voilà qui est fait, si là, Mugnanesa est au-dessus, Barbé aussi. Et voilà le but, ouais, c'est goal! Bien joué de Silla, une bonne sortie. Silla, et c'est Mugnanesa qui a marqué. Quatrième but de Mugnanesa cette saison. Et un super contre. Barbé a bien joué aussi, bien écarté. Dender ne laisse plus que Mugnanesa devant. Et voilà le shot qui est dévié, c'est goal! Ouais! Et c'est un but de Chris Bruno. Et il est le premier surpris. Il manifeste à peine sa joie. Et cet envoi a été dévié. Et je vous l'avais bien dit qu'il y aura encore des buts avant la fin du match. C'est voilà, monsieur Vinch siffle la fin de cette rencontre, gagnée largement par le Bruxelles. 4-1.